Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à des forces de Lio. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver des gardes de Lio et les gardes de Lio se trouvent là où il y a les dirigeables. Donc les dirigeables qu'il y a juste devant moi. Donc il y en a un qui se trouve à Rocky Rills, il y en a un qui se trouve ici, donc j'ai pas le nom des villes, donc je saurais pas vous dire où c'est. Il y en a un ici, il y en a un Coney Crossworld, il y en a un ici à l'état-major et il y en a un à Tilted. Donc dans ces dirigeables-là, vous allez trouver des gardes de Lio. Ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'infliger des dégâts à ces gardes. Il faudra infliger 500 de dégâts au total pour terminer le défi. Donc première chose que vous faites, c'est que vous arrivez près de l'aéronerf. Ensuite, vous trouvez une arme, plus rapidement possible. Hop. Voilà. Là, j'ai trouvé une petite PM, nickel. Et là, vous infligez des dégâts aux gardes de Lio pour 500 de dégâts. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est le laisser se faire réanimer par un de ses alliés. Comme ça, il se réanime. Et ensuite, vous pouvez continuer à lui infliger des dégâts. Bon, là, l'ennemi l'a tué avant. Donc, en fait, pour qu'il se fasse réanimer, c'est les gardes de Lio, les autres gardes de Lio qui peuvent le réanimer. Donc, s'il y a un garde de Lio juste à côté, laissez-les se réanimer ensemble. Ou sinon, vous pouvez le finir pour infliger quand même plus de dégâts. Parce que si vous le finissez quand il est par terre, ça compte aussi pour des dégâts. Hop, regardez. Là, il n'y a plus de garde de Lio parce qu'il vient de mourir directement. Donc là, les autres adversaires, je crois que c'est des autres adversaires, des autres joueurs. Donc voilà, dès que vous aurez infligé 500 points de dégâts à des forces de Lio, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.